La famille, en direct de Cotonou, de retour d'une tournée internationale géopolitique de malade, avec mon staff, avec mon ONG, toujours dans le temps long, pas dans le temps court. Les connexions qui ont été faites sont des connexions qui vont avoir des grosses répercussions dans le cadre du combat politique que nous menons. Nous remercions les autorités de Cuba pour leur accueil des plus chaleureux. Nous avons été émus, bouleversés par la rencontre de notre peuple en Colombie, qui souffre le martyr. Et je pense que c'est très important qu'on reparle dans les temps à venir de la situation de notre peuple en Amérique du Sud, parce qu'on a tendance à oublier que notre peuple ne se limite pas à la francophonie, mais qu'il est partout, dans la zone dite anglophone, dans les pays d'Amérique latine, dans les Caraïbes. Le panafricanisme, c'est une idéologie globale, c'est pas une idéologie qui est sectorisée. Partout où notre peuple est, le panafricanisme vit. Et donc il sera important qu'on revienne dans les temps à venir sur la souffrance de notre peuple. Et c'est le rôle d'urgence panafricaniste. Nous sommes des urgentistes de cette cause. Partout, notre peuple a besoin de nous, d'être présent. Mais le direct que je fais est un direct qui me permet de compenser mon absence ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Vous avez été très nombreux à me dire que vous vouliez que je n'intervienne plus par rapport à ce qui se passe en Afrique. Et je le comprends. Mais avec la tournée, c'était impossible. C'était impossible que je puisse être efficace pour faire des lives pour la simple et unique raison que bien souvent les réseaux sociaux, la connexion internet dans les endroits où j'étais n'était pas des plus optimales. Avant toute chose, je pense qu'il est important que je vous dise de manière fondamentale que je vous aime. Je regarde où je marche parce qu'il est à Cotonou. Ça va ? À Cotonou, là on dirait il a plu, il y a de la boue partout. Et vous savez là où sont les routes, hein, dans nos pays, les routes sont là où les riches sont. Mais là où les riches ne sont pas, il n'y a pas de route, il y a la boue. C'est ça aussi le développement de nos pseudo-présidents qui se prennent pour des réformateurs, mais qui ne sont rien d'autre que des hypocrites sur le terrain politique, sur le terrain du développement, comme c'est le cas de Patrice Talon. Même s'il y a beaucoup de choses qu'il a fait de bien sur le terrain infrastructurel, et beaucoup d'autres choses qu'il a fait de bien moins bien sur le terrain du développement humain, puisque c'est quelqu'un qui brise son peuple, plus qu'autre chose, brise le prolétariat plus que jamais. Donc je vous le redis, je vous aime, en crever. Et je vais intervenir aujourd'hui sur la situation que notre peuple connaît. Du côté du Sénégal, mais on ne va pas s'arrêter au Sénégal. On va parler aussi de notre peuple en Côte d'Ivoire, on va parler de notre peuple aussi au Bénin, on parlera de notre peuple aussi au Niger, on parlera de notre peuple dans un pays qui s'appelle, dans une plantation, qui s'appelle la France-Afrique. En sachant que lutter contre les marionnettes de cette France-Afrique-là, c'est lutter pour la souveraineté de nos populations. Alors on va commencer par le Sénégal. En priorité, j'adresse toutes mes pensées les plus profondes, les plus chaleureuses, vis-à-vis de tous les martyrs, tous ceux qui sont tombés sous les balles de la police meurtrière de Macky Sall. Macky Sall est le maquillage sale de l'impérialisme français, le maquillage sale du néocolonialisme, le maquillage sale de la prédation néolibérale occidentale sur le continent africain. Et mettre fin aux dérives de Macky Sall, ce n'est pas un devoir juste sénégalais, c'est un devoir panafricaniste dans sa globalité. Mettre fin aux dérives de Macky Sall qui a vendu son pays, qui a vendu son pays au plus offrant, qui a mis en location son pays vis-à-vis des entreprises telles que Auchan, telles que les structures européennes de manière générale, en faisant en sorte de pouvoir mettre de côté les producteurs locaux et valoriser la production étrangère. C'est Macky Sall le responsable numéro un de cette situation. Et le Sénégal est dans une crise économique en donnant la sensation qu'ils sont dans une logique de développement. Ils sont dans un développement dans l'acception occidentale. Mais ils sont plus que jamais dans un emprisonnement dans l'acception africaine. Parce qu'il ne peut y avoir de développement si vous ne valorisez pas votre production locale. Et c'est ça le problème du maquillage sale de l'impérialisme français. Macky Sall, dans sa stratégie de vouloir gratter un troisième mandat, a compris que s'il laissait le frère Ousmane Sonko, qui est son opposant le plus radical. Il faut même qu'on puisse essayer de déconstruire le schéma tel qu'il est installé, parce que la haine qu'il voue à Sonko n'est pas simplement une haine de la France-Afrique contre le panafricanisme, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a vu sur le terrain politique et géopolitique bon nombre d'opposants politiques, lorsqu'il y avait des alternances au niveau institutionnel, le président d'un temps devenait l'incarcéré de l'autre temps. Dès lors que son opposant radical lui succéder au pouvoir. Et Macky Sall voit un scénario à la Hosni Moubarak ou autre se propager à l'horizon. Et c'est pertinemment que si Ousmane Sonko arrive au pouvoir, Macky va aller au placard.
Et donc, Macky est prêt à brûler son pays. J'ai entendu des abrutis, des imbéciles, qui nous disent que oui, le nombre de morts qu'il y a du côté du Sénégal, c'est Ousmane Sonko qui est responsable de ces morts. Bande d'imbéciles heureux. Le seul responsable des morts du côté du Sénégal, c'est celui qui a imposé une justice qui n'a de justice que le nom, mais qui est une injustice caractérisée en inventant des motifs pour criminaliser celui qui était censé être son premier opposant. Il n'a pas pu prouver, matérialiser ou illustrer sa machination visant à accuser Ousmane Sonko de viol. Même les juges qui sont des gens corrompus par le président de la République n'ont pas pu prouver cette histoire de viol. Alors ils sont allés sur une chose en disant que Sonko a eu des relations, il est parti débaucher une petite de 21 ans, et donc qui à l'époque avait 20 ans au moment des faits, et donc c'est une corruption de la jeunesse. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Et donc ils ont pensé qu'en sortant ce motif-là, cela ne choquerait pas la population, mais manque de peau pour eux, cela a embrasé le peuple sénégalais. Et je le dis et je le répète, quels que soient les messages des gens qui vous disent « il faut se calmer, il ne faut pas casser, il ne faut pas ceci », je n'appelle pas à la violence, mais j'appelle à la justice caractérisée. Tant que le président Macky Sall ne dira pas qu'il ne briguera pas un troisième mandat, la résistance ne doit pas s'arrêter. Et je vais vous le dire de but en blanc, si je n'étais pas interdit d'entrer sur le territoire sénégalais, si je ne m'étais pas fait tabasser encore la dernière fois à l'entrée du Sénégal, comme ça a été, je vous assure que je serais parti avec mon équipe pour venir au Sénégal, pour porter main forte aux nôtres, à nos semblables. Mais en attendant, ce que nous pouvons faire, c'est activer la jeunesse de là où nous sommes, via les réseaux de communication, mobiliser tant où qu'il se trouve. Nous sommes ensemble plus que jamais, je veux que chacun le comprenne. Nous sommes connectés, la famille, plus que jamais, et chacun doit le comprendre. Tous les frères qui sont incarcérés, toutes les sœurs qui sont incarcérées, sont des martyrs de la souveraineté africaine, pas que de la souveraineté sénégalaise. Ils sont des martyrs d'un processus d'autodétermination, d'un processus de décolonisation qui a commencé bien longtemps avant l'histoire du Sénégal. Ça a commencé avec le Mali. Vous m'excusez, il y a des gens qui essayent de perturber le live en nous appelant. D'accord ? Ça a commencé à bon nombre d'endroits. Ça a commencé au Burkina Faso, ça a commencé au Mali. Et le Sénégal est une autre étape. Et nous allons tout faire pour que Macky cesse de conduire le bus de la France-Afrique. D'accord ? Et laisse ce bus redevenir le bus de la souveraineté sénégalaise. Et la seule solution pour que ce bus devienne le bus de la souveraineté sénégalaise, c'est que Ousmane Sonko puisse être président du Sénégal. Tout comme Assimi Goïta doit être président du Mali. D'accord ? Certains nous disent, oui, il doit arrêter de se présenter pour ce qui est d'Assimi Goïta. Je vous le dis, je vous le répète, nous voulons des gens qui se battent pour leur peuple, des gens qui sont pour l'autodétermination de leur peuple. Nous voulons des gens qui veulent rompre les accords néolins, excusez-moi, de la France-Afrique. D'accord ? Nous voulons des gens qui sont dans une démarche d'autodétermination, d'élévation et de révolution profonde et constructive et structurelle vis-à-vis de leur peuple. Léonien, excusez-moi. Et donc je dis et je répète à tous mes semblables, où qu'ils se trouvent au Sénégal, ne baissez pas la garde. Ne baissez pas la garde. Continuez à vous mobiliser. Nous devons mettre Macky Sall politiquement hors d'état de nuire. Macky a décidé de détruire son pays. S'il veut détruire son pays, on doit le mettre politiquement, j'insiste, hors d'état de nuire. Et je m'adresse à l'armée. L'armée, prenez vos responsabilités. Armée française, sortez de là. Et armée sénégalaise, prenez vos responsabilités pour soutenir plus que jamais Ousmane Sonko. Et au-delà d'Ousmane Sonko, parce que c'est une question qui le dépasse en réalité, soutenez la résistance sénégalaise. Quand Abdoulaye Wade a voulu faire le fou, la rue s'est mobilisée. Macky lui-même à l'époque s'est mobilisé. Ce qui nous rappelle que souvent, il y a souvent trop d'opposants en Afrique, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, deviennent des pires autocrates. Mais la rue s'est mobilisée à l'époque, Macky faisait partie de cette rue. Aujourd'hui, nous demandons à cette rue de ne pas baisser la garde, et nous demandons à tous les autres Africains autour du Sénégal de rester mobilisés pour soutenir la résistance sénégalaise. Tous ceux qui peuvent envoyer de l'argent au Sénégal pour soutenir la résistance sénégalaise, faites-le. L'ONG Agence panafricaniste va, dans les jours à venir, là aussi débloquer ce que nous pouvons débloquer pour aider les nôtres.
Nous n'avons pas beaucoup, mais nous allons tout faire pour soutenir le plus possible ceux qui sont sur le terrain au Sénégal et qui souffrent. C'est important de le dire. Ousmane Sonko doit être lavé de ses accusations fallacieuses et on doit lui donner la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Et si on ne lui donne pas la possibilité de se présenter aux élections présidentielles, il va aller chercher Macky. Il va aller installer Ousmane Sonko. C'est de ça dont il s'agit. Tout le reste n'est que littérature. Ce que je dis pour le Sénégal est valable pour la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramatique Ouattara. Oui. Alassane Ouattara lui-même, qui est le deuxième pilier, qui est le premier pilier de l'UMOA, Macky Sall est le deuxième. Alassane Dramane Ouattara est donc le premier pilier de la France-Afrique du néocolonialisme. Et avec Macky Sall, ils ont structuré, ils ont cimenté la soumission africaine aux intérêts français plus que jamais. Et donc ces dirigeants doivent être déboulonnés. Ces dirigeants doivent être déboulonnés. Nous devons rompre les accords léonins plus que jamais qui lient nos pays au néocolonialisme français. Et au néocolonialisme sous toutes ses formes. Nous devons faire en sorte aujourd'hui que nos pays puissent être dans un processus véridique, véritable d'autodétermination et de souveraineté totale. Et ceux qui refuseront cette démarche-là devront être combattus plus que jamais. Et donc je dis de la même façon à la résistance en Côte d'Ivoire. Organisons-nous, organisez-vous pour que Alassane Dramatique Ouattara puisse lui aussi tomber. Quand un conducteur emmène le bus dans le ravin, les passagers du bus doivent neutraliser ce conducteur-là. Et ce conducteur sur le terrain politique se nomme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, se nomme Macky Sall au Sénégal, se nomme du côté du Bénin Patrice Talon. Les gens ont peur de prononcer son nom parce qu'au Bénin, trop de gens ont peur de leur nom, mais il faut arrêter avec cette démarche-là. Moi, je vous le dis les yeux dans les yeux, Patrice Talon fait partie lui aussi de ce système de la France-Afrique. Patrice Talon, lui aussi, est dans une démarche d'implanter l'oligarchie néolibérale occidentale dans notre pays, dans le pays de Béhanzin, dans le pays de Glélé, dans le pays des Akodji. Et nous ne l'accepterons jamais. Nous voulons la souveraineté totale. Nous voulons l'autodétermination totale. Nous voulons la justice sociale et non pas la justice pour une minorité qui vit avec des millions et des millions et des millions pendant que la majorité vit avec moins de 100 dollars par mois. Ce n'est plus acceptable. Nous voulons valoriser nos productions locales. Nous voulons vivre de ce que nous produisons. Nous voulons profiter de nos ressources. À chaque fois, on vous dit qu'il y a des risques de terrorisme. Les risques de terrorisme apparaissent aux endroits où on découvre qu'il y a des richesses minières, des ressources minières qui sont présentes sous le sol. Et tout le monde sait que ces terroristes-là ne sont qu'en réalité des mercenaires, des multinationales occidentales qui sont là pour déstabiliser nos territoires, pour justifier la présence des armées françaises et occidentales afin de piller nos ressources. Ça aussi, cela doit s'arrêter. C'est un combat global. C'est pour ça que quand je lis certains qui me disent, Kémy, c'est un combat des Sénégalais, il faut laisser... Non, ce n'est pas un combat des Sénégalais. C'est un combat panafricaniste dans sa globalité. Non, ce n'est pas un combat ivoirien. C'est un combat panafricaniste dans sa globalité. Ce n'est pas un combat béninois. C'est un combat panafricaniste dans sa réalité, dans sa globalité. Et nous devons plus que jamais tous être connectés. Donc j'exige, je demande à nous tous, à tous les sympathisants, à tous les partisans, de s'organiser pour protéger tous ceux qui luttent actuellement en Afrique contre le néocolonialisme. Ousmane Sonko ne doit pas être incarcéré. Si Ousmane est incarcéré, il faut que le Sénégal soit embrasé. Je le dis avec la plus grande simplicité. Ce n'est pas un appel à la violence, mais c'est un appel à l'intelligence. On ne peut pas laisser des gens être incarcérés injustement quand ça arrange la France-Afrique. Parce que derrière toutes ces machinations, c'est l'oligarchie française qui est en train d'opérer. Il faut qu'on puisse le dire, c'est l'oligarchie française qui est en train de prospérer. Et nous ne pouvons pas laisser cette réalité se matérialiser. Soyez mobilisés, restez mobilisés. Le Niger, pareil. Mohamed Bazoum, on ne pourra pas le laisser éternellement à la tête du pays. On ne pourra pas laisser cet individu, on ne sait même pas d'où il vient, à la tête du Niger. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mohamed Bazoum est un pion du néocolonialisme français et qui pense que parce que la France l'a mis à la tête du pays, il est redevable de la France éternellement. La France lui dit, avant on disait Jacques a dit, maintenant on dit Macron a dit.
et il se met à quatre pattes avant que Macron ait fini sa phrase. On va accepter ça longtemps? Va-t-on accepter ça longtemps? Toute la jeunesse dans ces pays doit se mobiliser, doit s'organiser pour déboulonner les marionnettes africaines soumises au néocolonialisme français. Et nous ne disons pas ça pour remplacer une puissance par une autre. Je vois certains imbéciles trolls ivoiriens nous dire « Oui, tu dis ça pour remplacer la Russie. » Je m'en fous de la Russie. Si la Russie peut aider logistiquement les pays africains, tant mieux. Mais la Russie n'est pas le messie. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et le jour où la Russie voudra faire aux pays africains ce que la France et l'oligarchie occidentale fait, nous combattrons la Russie jusqu'à en perdre la vie. Je n'ai aucun scrupule dessus. Poutine n'est pas mon messie. Personne n'est mon messie en Russie. Le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même, en l'honneur de nos ancêtres méritants. Qu'on soit très clair dessus. Je suis d'ailleurs beaucoup plus proche de Cuba, de l'Iran. C'est une réalité. Du Hezbollah que de la Russie. Mais la Russie fait partie des pays qui sont plus nos partenaires que les Occidentaux. Ça, c'est évident. Donc je dis et je répète à tous nos frères, à toutes nos sœurs, restez mobilisés. Maintenez la pression. Bousculez l'oligarchie d'Occident. Bousculons l'oligarchie d'Occident. Avançons, nous sommes proches du but. Ce qui se passe en Afrique francophone, entre guillemets francophone, c'est un château de cartes. On pousse une carte, elle tombe. On en pousse une autre, elle tombe. Mali, Burkina, Guinée. Le reste arrive. Et vont tous y passer. Le Bénin, s'il continue à se soumettre à l'oligarchie française, ce spectacle va cesser aussi. Parce que nous n'allons pas accepter que le pays de Béanzin, de Glélé, des Amazones, puisse valider que l'armée française puisse souiller notre sol, puisse valider que l'oligarchie néolibérale occidentale puisse piller notre sol. Nous sommes dans une plantation. On n'appelle pas Patrice Talon le roi du coton gratuitement. On l'appelle le roi du coton parce que nous sommes dans une plantation du coton aujourd'hui, qui bénéficie à une minorité qui vit dans l'opulence la plus grasse, pendant que notre peuple souffre le martyr au quotidien. Et vous pensez qu'on va accepter ça éternellement? Vous pensez que nous sommes tous là pour... Parce que c'est ça le mode de fonctionnement au Bénin, sur le terrain politique. Ceux qui existent sont ceux qui acceptent de manger dans la main de Patrice Talon. Nous, on ne mangera dans la main de personne. Nous voulons la fin du néocolonialisme et nous bousculerons tous ceux qui y sont soumis. Et vous savez que quand on fait les tournées géopolitiques, c'est pour être le plus efficace aussi, pour déstabiliser les marionnettes du néocolonialisme. Et croyez-moi, les tournées sont des plus productives. Restons mobilisés. Maintenons la pression. Bousculons l'ennemi par tous les moyens à notre disposition. Armés de nos pays, rejoignez la population. Et vous aurez un rôle, plus que jamais, fondamental, déterminant pour notre libération. Je vous aime en crevé, peuple d'Afrique, en l'honneur de nos ancêtres méritants, et par la grâce de Dieu l'unique, Dieu Tout-Puissant, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils commencent tous à comprendre. Force et honneur à vous. Je vous aime.